Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Pour comprendre ça, il faut remonter 10 ans en arrière. À mes 19 ans, plus ou moins. L'année où j'ai réalisé que j'avais vraiment beaucoup de vêtements, et surtout trop de vêtements, que je ne mettais pas ou plus. Mais que mes copines, elles, appréciaient beaucoup. À savoir que les Belges mettent que 12 à 19% des vêtements de leur dressing. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à chercher une formule écologique. À la base, je l'avais appelée le IKEA de la seconde main. C'est que quelques années plus tard, après la découverte de pêle-mêle, que me vint la vraie idée. J'allais ouvrir le pêle-mêle du vêtement. Et c'est avec ma participation et l'accompagnement par le Green Lab que l'aventure a réellement commencé. Après moult recherches, j'ai osé me lancer en ouvrant et alimentant le compte Instagram. Et la magie, l'intérêt s'est confirmé et j'ai réalisé mes premières ventes tests. De quoi me donner plus de confiance pour oser pitcher mon projet à un max de monde. Vraiment beaucoup de monde. Bref, une année riche en préparation. Cette année, l'objectif est de trouver un magasin à Paris pour nous. Selon moi, pour faire évoluer tout projet, il s'agit avant tout d'aller, d'oser toquer aux portes. Certaines ne t'ouvriront pas, mais d'autres oui. C'est là précisément que la magie opère et que tout devient possible. Vous l'aurez compris, si vous croyez en ce projet autant que moi, ce que j'espère, vous avez un rôle à jouer dans le futur de Paris pour nous. En participant à ma levée de fonds et crowdfunding, j'ai mis en place des contreparties super chouettes pour vous encourager à faire des dons. 6 000 euros, c'est 1 200 personnes qui donnent 5 euros, c'est 600 personnes qui donnent 10, 300 qui donnent 20 ou 100 qui donnent 60. Yo, on a compris Grégoire, c'est bon. Non mais plus sérieusement, s'il vous plaît, suivez Paris pour nous sur les réseaux, partagez le compte et la levée de fonds en masse et faites des dons. Merci, salut! Plus qu'une autre.